Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la dysfonction du tendon du tibial postérieur. Il ne s'agit pas d'une des pathologies les plus communes, mais elle est intrinsèquement liée au fameux pied plat. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport, et je vous en dis plus dans cette vidéo. Une fonction altérée du tendon du tibial postérieur est la cause la plus fréquente de l'affaissement du pied acquise par l'adulte. Le pied plat est une caractéristique clinique qui implique l'affaissement de la voûte plantaire et contient de multiples étiologies. L'insuffisance du tendon affecte les structures ligamentaires environnantes et finit par entraîner une atteinte osseuse et une déformation. La prévalence globale des pieds plats dans la population générale se situerait entre 5 et 15%. Environ 7 à 15% de ces patients présentent des symptômes et consultent un médecin. Cependant, ces statistiques sont difficiles à interpréter car la définition exacte et les critères de diagnostic des pieds plats ne sont pas clairs. Si la plupart des experts s'accordent à dire que les cas symptomatiques à un stade avancé sont relativement clairs, la prévalence du pied plat asymptomatique fait toujours l'objet d'un débat intense. Puisqu'en effet, une question fondamentale reste encore sans réponse, quelle voûte plantaire est normale? De nombreux chercheurs ont utilisé diverses méthodes innovantes et des technologies pour mesurer et quantifier la hauteur de la voûte plantaire, mais aucun n'a pu établir une valeur standard. Aucun d'entre eux n'a pu prouver que leur méthode de mesure était supérieure aux autres. Dans l'état actuel des connaissances, il n'existe pas d'outil de mesure, de référence, ni de plage de variation normale de la hauteur de la voûte plantaire. Les paramètres radiologiques peuvent fournir un cadre pour une mesure objective, mais comme pour les paramètres cliniques, aucun n'a été entièrement validé et les valeurs normales convoitées ne font pas encore l'objet d'un consensus. Particularité anatomique. Le tendon du tibial postérieur est une région fortement exposée au risque de développer des pathologies en raison de sa gaine tendineuse relativement unique. Une gaine tendineuse normale comprend généralement trois couches. Une couche pariétale externe qui fournit un canal fibro-osseux. Une couche mésotendon moyenne qui contient généralement l'apport sanguin. Et une couche viscérale entourant immédiatement le tendon. Dans le tendon tibial postérieur, le mésotendon, qui contient habituellement l'apport vasculaire, est incomplet, ce qui compromet considérablement son apport sanguin global. La vascularisation est bonne au niveau de la jonction musculo-tendineuse, alimentée par l'artère tibiale postérieure, et de la jonction os-tendon, alimentée par les branches périostées de l'artère plantaire médiane. Mais la partie médiane entre ces deux points est appelée zone d'hypovascularisation. Il est admis, cette fois on va pouvoir être plus précis, que cette zone s'étend approximativement de 14 mm de l'insertion naviculaire jusqu'à la malléole médiale. C'est dans cette zone hypovasculaire dans laquelle la tendinopathie est généralement observée. Mais alors concrètement, de quel mouvement le tibial postérieur est-il responsable? Et principalement, ça va être un mouvement d'inversion du pied. Cela est important à savoir pour le traitement puisque cela conditionnera les exercices qui vont être prescrits. À présent, parlons physiopathologie. L'histoire naturelle de la dysfonction du tendon tibial postérieur n'est pas entièrement connue, mais la plupart s'accordent à dire qu'il s'agit d'une dégénérescence progressive. Bien que la physiopathologie exacte ne soit pas bien comprise, cette tendinopathie primaire des tissus mous du tibial postérieur entraîne une modification de la biomécanique du pied. Il en résulte des modifications secondaires, notamment une atténuation ultérieure des ligaments et des tendons, un hallux valgus réactif dû au déplacement transversal du poids et une arthrose secondaire due à l'instabilité. Le système de classification couramment utilisé, mis au point par Johnson et Strom,
puis modifiée par Blumann et Meyerson, divise la pathologie en 4 stades cliniques différents correspondant à des présentations différentes dans le cadre de la pathologie. Les 2 premiers stades ne présentent que des atteintes des tissus mous, tandis que le 3e et 4e ont entraîné une arthrite articulaire associée. Le stade 1 est donc considéré comme une tendinopathie isolée du tibial postérieur sans changement significatif de la longueur du tendon. Le stade 2 implique des changements permanents dans le tendon du tibial postérieur. Il peut être allongé dans le stade 2A et il peut être atténué dans le stade 2B. Le stade 3, quant à lui, est défini lorsque des caractéristiques d'arthrite soutalienne apparaissent. Le stade 4 signifie l'atteinte de l'articulation de la cheville. Si l'examen clinique est important pour diagnostiquer les pieds plats de l'adulte, des examens complémentaires sont souvent nécessaires pour délimiter les différentes étiologies et le stade de la pathologie. Parlons du pronostic. La dysfonction du tendon tibial postérieur est une pathologie qui continuera à s'aggraver si aucun traitement n'est appliqué. Une détection et une intervention précoce permettent de ralentir la progression. Il a été démontré que les patients bénéficiant de semelles orthopédiques personnalisées en combinaison d'une rééducation connaissent une amélioration significative de la condition. Dans une étude d'Alvarez et ses collaborateurs, environ 89% de leurs patients atteints d'une dégénérescence du tendon tibial postérieur de stade 1 et 2 ont répondu positivement aux orthèses et à la rééducation. Presque tous les patients avaient retrouvé leur fonction au bout de 4 mois, donc on est quand même sur quelque chose d'assez long. Selon les analyses des résultats du traitement chirurgical, les résultats sont beaucoup moins prévisibles et le retour à l'état antérieur de la blessure ne peut pas être garanti. Les patients peuvent continuer à avoir des effets résiduels après des chirurgies de reconstruction. Parlons maintenant du traitement du stade 1. Les décisions concernant la prise en charge varient en fonction du stade de la pathologie. Il existe une prédominance des prises en charge chirurgicales, probablement en raison du fait que la pathologie se présente souvent à des stades avancés, voire graves. La chirurgie vise à corriger la déformation dans les stades 3 et 4 et, depuis peu, à prévenir la destruction des tissus mous et des articulations dans les stades 1 et 2 qui ne répondent pas à un traitement conservateur. Donc pour revenir à notre stade 1, la prise en charge dans ce cas de la dysfonction du tendon tibial postérieur ressemble à une prise en charge d'une tendinopathie avec, pour un maître mot, la remise en charge progressive. Le mécanisme de l'amélioration des résultats dans la tendinopathie après un exercice de renforcement est considéré comme étant lié à la charge appliquée. Il a été suggéré que la charge qui est induite au tendon pendant les exercices thérapeutiques doit être suffisamment élevée pour provoquer des changements physiologiques dans le tendon. Bien que les relations entre la structure interne du tendon, la douleur et la fonction ne soient pas claires à l'heure actuelle, les protocoles de Ivy-Slow résistance semblent être bénéfiques dans la prise en charge des tendinopathies diverses et variées. Il a été suggéré que la réponse physiologique à l'exercice peut être plus importante avec la méthode Ivy-Slow Resistance Training et le renforcement excentrique en raison des charges plus élevées appliquées au tendon pendant ces exercices. Le dispositif utilisé pour les exercices de renforcement dans l'étude de Koolig et ses collaborateurs a permis de quantifier la charge et la résistance tout au long de l'exercice du tendon tibial postérieur. Les participants du groupe d'exercices excentriques ont atteint des charges 3,3 fois plus élevées que ceux du groupe concentrique à la fin de l'intervention de 12 semaines. La tolérance et la capacité à effectuer l'exercice avec une bonne exécution étaient les critères de progression pour augmenter la charge. Cela suggère que les participants du groupe excentrique étaient plus à même de tolérer des charges plus élevées pendant le programme d'exercice, optimisant ainsi la réponse du tendon
et conduisant au signalement de plus grandes améliorations de la douleur et de la fonction globale du pied. La fonction de la hanche peut également affecter le mouvement du pied pendant la marche. En effet, la faiblesse des rotateurs externes et abducteurs de la hanche a été associée à une augmentation de la rotation interne et de l'adduction du fémur, à une augmentation du valgus du genou, par conséquent de la rotation interne du tibia et de la pronation, pour terminer la chaîne, de l'articulation sous-talienne. Ces modifications peuvent avoir un impact sur le tendon tibial postérieur, une augmentation de l'éversion de l'arrière-pied et des déficits de force en abduction de la hanche ont été démontrés dans la dysfonction du tendon tibial postérieur. Il est intéressant de noter que dans la revue systématique de Ross et ses collaborateurs, des exercices d'étirement ont été inclus dans tous les groupes d'intervention pour les trois études incluses dans cette comparaison. Les étirements du gastrocnémien et du solaire ont été prescrits à raison de 3 à 10 répétitions pour une durée de 30 secondes 2 à 4 fois par jour. Cet étirement est effectué en dorsiflexion maximale, ce qui augmente la force de compression et de traction sur le tendon du tibial postérieur en arrière de la malléole interne. La gestion de la charge pour soulager la douleur dans la rééducation des tendinopathies est double, intégrant la réduction des charges de compression et de traction. Cependant, le fait d'accompagner ces interventions d'étirement statique en dorsiflexion complète peut s'avérer contre-productif pour la gestion de la douleur et de la rééducation, car ils augmentent la force de traction et de compression. Donc il faut donc être prudent et équilibré dans la prescription des étirements qu'on va mettre en place en dorsiflexion maximale. Pour résumer, voilà ce qu'il faut travailler en cas de dysfonction du tendon tibial postérieur. Donc l'inversion du pied en contraction excentrique et avec la méthode HSR Heavy Slow Resistance Training. Le renforcement et la stabilité de la voûte plantaire et des muscles intrinsèques du pied qu'il compose. Également, on va travailler le renforcement des éverseurs du pied pour limiter les compensations. Et comme vous l'avez compris, on l'a évoqué, on va travailler les muscles de la hanche, notamment les abducteurs et les rotateurs externes. On va éviter les étirements des gastrocnémiens et du solaire pour limiter les forces de traction et de compression s'appliquant sur le tendon du tibial postérieur lorsque ceux-ci sont effectués en dorsiflexion complète. Précédemment, on a dit que ça pouvait avoir quelques avantages de venir créer cette traction et cette compression, mais le but est bien de doser l'activité en fonction de ce qui est acceptable ou non. On l'a dit, c'est la progression qui va faire la différence. Forcément, un jour ou l'autre, on va devoir réappliquer des forces de compression et de traction au niveau du tendon tibial postérieur lorsqu'on va être en fin de rééducation. Donc là, ça sera intéressant de mettre en place ce type d'étirement pour justement appliquer une différente charge au niveau du tendon tibial postérieur. Bien entendu, tout ce que j'évoque ici, c'est à mettre en place et à discuter auprès d'un kinésithérapeute pour s'assurer des meilleurs résultats possibles. Cette vidéo, elle est uniquement à titre informatif. Elle ne remplace en aucun cas l'avis ou la visite d'un professionnel de santé. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à la partager, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-nous part en commentaire de votre expérience si vous êtes kiné et que vous avez eu affaire à ce type de pathologie, ou alors si vous êtes patient et que vous avez galéré ou succédé, réussi à vaincre cette dysfonction du tendon tibial postérieur. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.